Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Alors cette vidéo va être un peu particulière, car on va faire une vidéo, on va dire une refonte d'une vidéo qu'on avait déjà fait auparavant, donc dans comment faire de l'argent dans Star Citizen, donc avec un réclameur, faire 10 millions d'AUSC en une heure. Donc c'est parti, je vais vous montrer ça. Enfin, on va refaire, comme je vous l'avais dit, un rework de une vidéo qui était déjà sortie. Concernant ce métier. Donc là c'est pour montrer qu'on peut le faire encore solo. Et que d'ailleurs faut en profiter, parce qu'à la 3.23 ça sera 10 fois plus compliqué. Donc pour avoir une mission comme ça avec la Meured, tout simplement vous allez dans personnel, hop ici, vous allez dans recyclage et vous aurez une mission à Meured comme celle-ci, avec un paiement de 50 000 plus bonus. Donc forcément c'est alléchant, on va dire. Donc déjà, il faut savoir qu'on va se gagner à, tout seul, on va se gagner pas loin de 250 000 par vaisseau à coup sûr. Voilà. Et qu'en plus, on pourra vendre donc toutes les marchandises qu'on trouvera sur le vaisseau. Donc, enfin, qu'on trouvera. Qu'on va récupérer, bien entendu, au niveau de ce vaisseau. Voilà. Donc là, ce qui m'embête, c'est que. J'ai l'impression d'être très loin de mon siège en fait, tellement loin que... Tac, on voyait pas la cible. Donc attention, un truc important les amis là, donc vous êtes tout seul, donc faites attention énormément à la piraterie. Voilà, parce que là vous voyez, il n'y a pas de signature à part la meurette, donc ça va. Mais attention, je vous le dis parce que je fais partie de ces personnes qui ont chassé des reclaimers. Pendant très longtemps, on en a chassé pendant des semaines pour faire du gameplay, pour avoir un peu de fun, que ce soit pour nous ou même les mecs qui font du réclameur, pour que ça soit fun pour tout le monde. Donc là, vous éteignez le moteur, vous mettez 57 mètres, 60 mètres, voilà, faut être assez proche, mais pas trop loin non plus. Voilà, pour toujours avoir un petit bonus de récupération. Donc forcément, quand vous allez récupérer ce réclameur, donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout prendre. Jusqu'à remplir la soute, on va avoir de la perte, forcément. Tac, allumé. On va avoir de la perte, c'est certain, c'est sûr, même. Mais, du coup, attendez, parce que là... Tac, voilà. Faut que je déploie le bras. Donc, pour déployer le bras, c'est pour l'interrogation. Le bras qui va passer dessus nous, voilà. Hop. Donc là, comme vous voyez... J'ai fracture ou désintégration. Donc là, on va le fracturer. Donc ça veut dire qu'on va le disloquer en plusieurs morceaux. D'accord. Donc c'est aussi... là, n'hésitez pas à vous mettre en F4 pour voir s'il y a des gens qui vous abordent ou quoi. Voilà, et vous voyez, regardez, j'étais même encore un peu loin, 57 mètres. Hein, comme on peut voir le bras. Mais ça dépend aussi de la surface, où vous êtes et comment est situé le hammerhead. D'accord. Voilà, hop, je suis sûr. Ça... Tac. Hop, il vient de se casser. Donc vous faites clic droit, d'accord, sur votre souris. Hop, et là vous aspirez. Donc là, comme vous pouvez le voir, rien que celui-là, ça va être 222. Et je crois que l'autre, on n'aura même pas le temps de le prendre. Donc, et vous voyez qu'on vient de récupérer 250 000 AUSC en plus. Donc la soute, elle, du reclaimer, peut contenir, comme vous voyez ici, 240. Donc rien qu'avec lui en fait, c'est que ça nous fait déjà, enfin ça fait déjà énormément de choses. Mais le truc c'est que on peut prendre le risque, d'ailleurs je vais le faire aussi comme ça vous allez voir dans la vidéo, je vais prendre le risque en fait d'aller en bas, comme ça vous verrez qu'on peut le faire, mais c'est risqué, d'accord, parce qu'à tout moment des mecs peuvent débarquer et nous tirer dessus, et vu qu'on est tout seul, forcément c'est plus compliqué. J'aurais pu faire venir un membre de la corpo, parce qu'on est pas mal à jouer quand même en reclaimer, mais je voulais vous montrer que c'était possible quand même de le faire quand même en solo, d'être vraiment full solo pour le faire, à savoir que c'est 10 millions quand même d'AUSC solo pour vous. Donc moi ce que je vous conseille, c'est que on ne sait pas s'il va y avoir... hop, donc là vous quittez le siège. Donc on ne sait pas s'il va y avoir un réel reset au niveau de l'argent ou des vaisseaux. Ce que je vous conseille, moi personnellement, c'est de farmer en reclaimer comme ça, là. Acheter des vaisseaux.
et refermer derrière pour avoir un minimum d'argent au cas où qu'il n'y a pas de reset total, en fait, voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait, personnellement, j'ai énormément de vaisseaux qui sont disponibles in-game, j'en ai farmé pour les acheter, justement, pour pas avoir de problème à la 3.23, pour pouvoir toujours faire des gameplays à droite et à gauche, et me sentir à l'aise, on va dire. Donc, s'il y a un full reset, là, c'est sûr, on sera dans la sauce, mais c'est pas très grave. Donc du coup, là vous allez du coup à la gros ascenseur à l'arrière et vous allez dans le pont de recyclage et de stockage. Donc là, bien entendu, moi je vous conseille d'avoir un gros pistolet comme ça. C'est ce qu'il y a de plus facile et de plus simple. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais vider on va dire au moins 3-4 caisses. Merde, c'était juste au-dessus, autant pour moi, my bad. C'était pont de recyclage. Oh là là. En fait, c'est juste au-dessus de cette caisse, c'est juste là. Je me suis trompé d'un étage, désolé, autant pour moi. Donc là, ouais, je vais vider quelques caisses, donc on va dire des 4 caisses, ça fera déjà 30, un peu plus 30 ECU. Hop, éjecte, auto-éjection, tac. Et là, pareil, donc là, à savoir qu'on est, on va dire, entre guillemets, on avait une heure avant que les flics arrivent, donc... Enfin, avant que les flics ou les pirates arrivent, je ne sais plus exactement, je ne vais pas vous mentir. Donc là, le but, ça va être de ranger à peu près correctement, mais ça va être le bordel. Voilà, vous allez voir à la fin de la vidéo, cette salle sera vraiment en bordel. Donc, je n'oublierai pas de vous le montrer, bien entendu. Donc, à savoir que c'est un truc pour gagner beaucoup d'argent, donc forcément... Je vais pas vous mentir que c'est pas le but, c'est pas de ranger comme un pro, c'est surtout de tout balancer, d'avoir le plus de chargement possible. Voilà, comme vous pouvez le voir, hop, là vous voyez que ça a déjà bien descendu ici. Donc là vous voyez, je vais retirer encore les deux caisses qui vont arriver et je vais d'ailleurs par la même occasion voir s'il n'y a pas. Moi je vous conseille hein, de regarder s'il n'y a pas une autre quête. Donc là vous voyez, il y a un hammerhead là à prendre, ne le prenez pas, voilà. Moi je vous conseille de prendre juste les hammerheads qui vous rapportent 250 000 quand vous les salvage, autrement c'est pas très utile. Donc là vous voyez, ça c'est un peu embêtant parce qu'elle s'est retournée du coup, tac, hop. Donc j'ai des collègues qui sont vraiment très forts en rangement, moi c'est pas mon cas hein. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou. Ils regarderont certainement cette vidéo. Moi, en rangement, je suis une quiche. Hein, c'est hop, ça va être là où ça me casse moins les couilles, je vais pas vous mentir, en toute honnêteté. Donc là, au pire, ce que je vais faire, c'est que le temps que ça spawn, parce que bien entendu, tac, je vais essayer. Bien vu, oh là là, le joueur français qui est un monstre. Je vais essayer de sortir le maximum, voilà, même si à tout moment. Il peut y avoir les condés ou les pirates, je sais plus, qui arrivent. Donc je vais même vous faire voir qu'on peut ranger derrière les... Voilà. Donc, hop. Donc vous voyez là, on peut mettre derrière au-dessus. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on peut quand même faire pas mal. Continuer l'éjection. Je comprends pas pourquoi ça s'est arrêté d'ailleurs. Ah, peut-être parce que j'étais dessus sur la plateforme. Hop. Tac. Hop, encore en bas, c'est parfait. Enfin, j'espère qu'elles passent vraiment en bas, qu'elles vont pas sous le vaisseau. Mais vous voyez, en fait, c'est bien parce que ça pousse, en fait, c'est quand même assez bien. Donc, c'est une bonne suite, ça, en fait. Mais voilà. Donc là, attendez, il reste combien? Donc au pire, là, on va remonter. Voilà. Donc on va remonter. Donc là, je vous fais voir une fois. Et après, moi, je vais faire beaucoup de choses en off. Pour éviter que, en fait, vous ayez une vidéo redondante. Et que la vidéo, évitez de faire aussi qu'elle fasse 30 minutes pour un petit tuto. Un bon tuto, quand même, comme celui-ci. Donc tac, là, vous retournez. Hop. Bon, j'ai... Vous retournez. Donc faites vraiment attention ici. Vous pouvez avoir un message d'intrusion en haut, là. Comme quoi, il y en a qui sont rentrés à l'intérieur du vaisseau, donc faites attention. D'accord, ça c'est les pirates, je vous en parle parce que je sais que c'est possible et que nous on l'a fait. Donc c'est pour ça, je vous le redis, faites attention aux messages d'intrusion. Voilà, tous ceux qui farment tranquillement comme ça sur la ceinture de l'astéroïde de Yela, faites attention. Voilà, ça peut à tout moment vous sauter à la gueule,
et ça fait mal. Hein. Le mec, nous, il a reçu, le mec qu'on avait, qu'on avait abordé comme ça, il avait, il est tombé sur 8 mecs qui avaient faim. Donc, vous comprenez que c'est, ça s'est pas très bien déroulé pour lui. Donc, à faire gaffe, donc toujours avoir en même temps une petite vue F4 là, n'hésitez pas à regarder de temps en temps. Vous verrez de toute façon s'il y a des véhicules à l'extérieur ou pas. Donc là, il n'y a rien. Donc là, le but, tac, on s'avance un peu. On se met droit. Hop là, on bouge plus, messieurs. Voilà, silence, ça tourne. Tac là, hop là. Donc, n'oubliez pas, j'en profite, les amis, de vous abonner. Hein. C'est important, ça aide à l'avancement de la chaîne YouTube. Voilà, on rush les 1000 abonnés. Donc, si vous pouvez m'aider à les atteindre avant peut-être la 3.23, ça serait insane. Ça serait le top du top. Et si c'est possible, avant la 4.0, le mieux, ça serait quand même là, avant la 4.0, qu'on atteigne les 1000 abonnés. Je compte sur vous. Voilà, tous ceux qui peuvent partager la chaîne, n'hésitez pas. Voilà, ça vous coûte rien, c'est gratuit. Et puis ça me remercie du contenu qui est proposé sur la chaîne, voilà, parce que c'est malgré tout quand même énormément de travail. Donc là vous voyez qu'il faisait 30 SCU, donc d'une façon ou d'une autre on allait perdre SCU, 10 SCU, si on le salvage avec l'autre morceau. Donc c'est pour ça que je vous dis, parfois on peut le faire, parfois on peut pas le faire. Là je prends le risque de le faire, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir de pirates autour ou quoi. Hop, donc là vous voyez, on l'a bouffé. Donc là, moi, je vous conseille de rester ici, quand vous avez fait ça. Pourquoi? Parce que sur les OM, c'est là où on attend aussi pas mal de monde. Là, en fait, personne viendra ici s'il n'y a pas de Hammerhead aux alentours. Donc là, on n'oublie toujours pas, hein. On regarde de temps en temps dans les missions personnelles, recyclage, s'il n'y a pas un Hammerhead qui a spawn. Il n'y en a pas, c'est dommage. Tac. En direction le pont de recyclage. Donc à savoir que je vous conseille d'en profiter encore, je vous le dis, hein. Je me répète, mais c'est pour vous les amis, hein. C'est pas pour moi, je connais déjà tout ça, hein. Mais c'est pour vous, faites profiter d'en le faire maintenant, tout simplement parce que après ça ne sera plus possible. Il y a le métier ingénieur qui arrive in-game, et en fait déplacer un vaisseau comme ça demandera une certaine logistique en fait. On ne pourra pas le faire tout seul. Le Reclaimer de base n'est pas un vaisseau... qu'on peut déplacer tout seul. Là, en ce moment, on peut parce qu'il n'y a pas encore le gameplay d'ingénieur. Et merde, c'est mal mise. Je suis assez dégoûté. Mais c'est pas très grand. On va la mettre celle-ci comme ça. Tac. Elle a pas envie de tomber correctement. Hein. Bon, c'est quand je vous dis que je suis pas bon en rangement, les amis, vous en avez une preuve encore ici présente. Allez, s'il te plaît, mon pote. Voilà. Hop, donc là, du coup, il faudra activer tout le temps dès que vous redescendez l'auto-éjection des 16 SCU. Celle-ci, tac, pareil. Donc là, de toute façon, vous voyez, il nous reste 64, donc ça va être 8 caisses. Donc déjà vous voyez qu'en un seul Hammerhead, ça récolte beaucoup. Nous ce qu'on a fait aussi, hein, pour se faire kiffer, c'est que tout simplement on a... Oh non, je l'avais bien mis, je fais pas la conne. Ce qu'on faisait nous, c'est quand on faisait du PVP, on avait... What? Oh, je sais que je suis pas un pro du rangement, mais j'aime bien quand même que ce soit un petit peu... un minimum clean. Bon, là, on peut rien faire de plus. Tac. Donc, minimum, quand vous faites ça, c'est d'avoir un rayon gun comme celui-ci. Voilà. Et, bien entendu, hein, avoir toujours une arme. Voilà. Là, vous voyez encore... pourquoi ça veut pas... j'ai dit éjection automatique, bon, bref. Ok, celle-là continue. Tac. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, il y a une soute dessous, il y a cette soute, et il y a une autre soute encore, bah celle où on avait... Non, c'est pas celle où on avait été, il y a une autre soute où on peut faire, mais c'est chiant parce que l'ascenseur, ça bug avec les caisses à l'intérieur, donc je vous conseille pas de la remplir, je vous conseille juste de remplir celle-ci, là, déjà, vous allez voir que celle-ci remplie, c'est 10 millions, hein, minimum, et voire même parfois, certaines personnes arrivent à pousser le bouchon un peu plus loin.
Tac. Donc là, celle-là, on va en profiter, on va la mettre directement en haut. Donc là, normalement, on n'a plus rien, donc c'est parfait. Tac. Ah si, pardon, il y a encore une qui sort. Donc ça, à la limite, on va la mettre, là-haut, là, pour finir. D'accord, on aurait pu la mettre là-haut, mais j'ai l'impression qu'elle, elle a pas envie d'y aller. J'ai peut-être même une petite idée, vous allez voir que ça pourrait... Ah, forcément, faut qu'elle se tape dans quelque chose, hein. Ah. Attendez, tac. Voilà. Hop, c'est parfait ça, c'est génial ça. Ça, ça c'est du travail comme on aime ça. Donc voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter tout simplement en haut. Et en fait, on va aller, on va s'enlever de la zone d'intrusion quand même, pour éviter d'avoir des problèmes, que ce soit avec les pirates ou les ch'tards. On va quand même vérifier s'il n'y en a pas une autre qui a ripop. Et ben voilà. À la ripop, c'est parfait. On la prend. Et écoutez, moi les amis, je vais continuer à farmer de mon côté pour vous remplir le reclaimer. Et on se retrouve juste après ça pour vous montrer un peu ce que ça donne et faire les comptes. A tout de suite les amis. Donc les amis, voici un peu tout ce que j'ai réussi à récolter en une heure. Donc comme vous pouvez le voir derrière, c'est rempli à ce fait. Les côtés ont commencé à être remplis. J'ai commencé à remplir ici. Mais là ça va faire un peu moins d'une heure que du coup je suis dessus. Donc par la même occasion, quand je vous ai dit, faites attention aux pirates et aux joueurs. Comme vous pouvez le voir, le vaisseau, il y a quelques petites étincelles à droite et à gauche. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai une petite escorte qui est arrivée entre temps. On la voit là-bas, Arty, qui est venu m'escorter avec son petit spirit. Parce que, bah voilà, vous pouvez voir le vaisseau, il crache, le dragon qui crache du feu, quoi. Parce que. Voilà, ça. On a pris un petit peu tarif, le mec il m'a attaqué avec des canons et des balistiques, et j'ai pas eu le temps de lancer le rec, j'avais plus envie de sauver la cargaison que rec, je vais pas vous mentir. Je sais, c'est dommage, j'aurais pu vous garder un petit condensé, mais vu que je parlais aussi avec les copains à côté, vu que je parlais avec les copains à côté, je préférais quand même garder la cargaison et le vaisseau pour la vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, il est déjà bien attaqué. Donc ce qu'on va faire, donc comme je vous ai fait voir où on était, où on avait notre marchandise, là ce qu'on va faire, tout simplement, pas plus compliqué que ça, on va aller direction horizon directement. On quantum boum sur horizon, et c'est là-bas de toute façon qu'on va vendre. Donc écoutez les amis, on se retrouve là-bas pour vendre nos biens, et on verra si on a fait les 10 millions en une heure, normalement largement. Après, voilà, à voir comment ça va se dérouler. Allez, à tout de suite, les amis. Donc, les amis, je vous prends donc à l'atterrissage. C'est juste pour vous montrer l'état du vaisseau, en fait. Quand j'ai atterri, je voulais vous montrer comme quoi j'étais quand même bien rouge. Pour vous dire que les pirates, faut faire attention. Voilà, ils sont... Il y aura toujours du monde, même si vous croyez en safe zone dans l'espace. Il y aura toujours quelqu'un pour vous dire de faire gaffe. Voilà, tout simplement. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un... pour vous trouver et vous voler ce que vous avez farmé. J'en profite pendant qu'on descend de l'ascenseur, les amis, n'oubliez surtout pas de vous abonner, s'il vous plaît. C'est pas grand chose pour vous, c'est quelques secondes, ça dure quelques secondes vraiment, et moi ça m'aide énormément pour le développement de ma chaîne YouTube. Ça me récompense, on va dire, du travail qui est fourni pour Star Citizen, parce que c'est pas facile de trouver des vidéos à faire tous les jours ou même tous les quelques jours selon ce qui sort sur la chaîne YouTube. Donc là les amis, on va se diriger du coup vers la revente. Voilà, on va aller à l'admin directement. Tac. Peut-être que je vais vous faire un petit cut entre là et là-bas. Voilà, de toute façon, c'est la première station dès que vous prenez à droite. Ou bien, on se retrouve à la navette. Donc voilà, les amis, là, vous me voyez, on tourne à droite. Ici, on prend cette navette. J'ai oublié de l'enrouler, c'est vrai qu'au bon moment. À savoir que l'autre, en fait, c'est la même, elle vous emmène, mais c'est le dernier, enfin, c'est le deuxième arrêt. D'accord, c'est pas le prochain, mais l'autre d'après. Et celle-là, en fait, elle vous amène directement à l'admin. Donc, on se retrouve dès qu'on arrive à l'admin, les amis.
Petite parenthèse, les amis, je me suis trompé, c'est pas le premier arrêt, c'est le deuxième arrêt. Voilà. Bon, juste comme ça, je vous le dis avant qu'on arrive. Le premier arrêt, c'est celui-là. Donc, faut pas s'arrêter ici, faut s'arrêter au prochain arrêt. Donc, si vous sortez des navettes, prenez directement celle de gauche, elle vous emmènera directement à l'admin, là où on va arriver juste après. Donc, les amis, donc là, faut que je me dépêche parce qu'en fait, j'ai oublié de ranger mon vaisseau. Donc, faites-le dès que vous arrivez. D'accord, pour éviter que votre vaisseau finisse en fourrière. Voilà, moi j'ai oublié comme un bétain. Donc c'est pour ça, faut qu'on se dépêche et on fera ce qu'il faut après. Agistre Reclaimer, tac. Donc on va vendre, hop. Donc là c'est 960 000, boum, déjà. D'entrée, terminé. Là c'est 7 500 000. Donc là déjà, on est à 9... quasiment 9 millions plus ça, voilà. Donc là pour moi on a atteint les 9 millions hein. on était à 5 millions d'AUEC et là on était même un peu presque moins de 5 millions, donc voilà, presque on a fait quasiment 10 millions tout en sachant que on récupère 250 000 par reclaimer. Voilà, faut pas oublier ce petit détail. Donc ça fait 10 millions clairement à... Oula, j'ai plus de tête. 10 millions à l'heure. Et encore, c'est sans forcer, comme vous avez vu la soute. Elle n'était pas remplie à fond. Donc voilà, je peux pas être plus clair. C'est 10 millions à l'heure avec un réclameur à l'heure actuelle. Donc c'est ce qui vaut le plus le coup pour le moment dans Star Citizen. Il n'y a rien de mieux actuellement. Il y avait les ERT, mais maintenant, elles ne valent pas rien. Et c'est ça. Surtout le reclaimer qui rapporte beaucoup d'argent. Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que vous aurez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. À lâcher votre petit like et un petit commentaire pour ceux qui ont envie de dialoguer ou même ceux qui ont besoin d'aide. N'hésitez pas, la corporation recrute toujours. Et pour tous les nouveaux comptes, mon lien de parrainage dans la description. Dès que vous créez votre compte, mettez mon lien de parrainage. Vous avez 5000 AUC gratuitement fourni par RSI pour vous remercier d'avoir utilisé mon code de parrainage. Voilà les amis, donc j'espère que vous aurez kiffé et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tchuss tout le monde.